Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu qui a été sur Kickstarter et qui fait parler quand même assez beaucoup depuis qu'il est disponible à l'achat. Il s'agit de Root, un jeu hautement asymétrique pour 2 à 4 joueurs, un jeu que j'attendais énormément, que je suis très content d'avoir maintenant entre les mains. Alors, Root, aujourd'hui, je veux vous le présenter sous forme de déballage. Oui, mais plus que simplement un déballage, je veux qu'on regarde c'est quoi ce jeu-là exactement. Là. En quoi c'est si différent? Parce que Root, c'est un peu comme 4 jeux mélangés ensemble. Pour ceux qui connaissent Vast, il s'agit des mêmes concepteurs et l'idée derrière Vast, c'était de faire plusieurs mini-jeux ensemble. Chaque personnage, chaque rôle se joue de façon hautement différente avec des mécanismes différents. Super bien, très complexe et peu accessible. Alors qu'ici, on a décidé de faire quelque chose qui reprend la même idée, mais de rendre ça beaucoup plus accessible, très intéressant. Alors, on ouvre cette boîte ensemble et je vous présente le jeu brièvement. L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Alors voici la magnifique boîte de Root, un jeu que j'attendais beaucoup. Alors première chose que je dois vous mentionner, c'est que j'ai préalablement enlevé la petite pellicule de plastique parce que à chaque fois que j'essaie de l'enlever, ça va jamais comme je veux. J'ai toujours peur de briser la boîte, alors je préfère faire ça en dehors du champ de la caméra. Alors première chose qu'on remarque avec Root, c'est peut-être la taille de la boîte, vraiment plus petite que ce à quoi je m'attendais. Et à titre de comparaison, j'ai ici une boîte de format standard, Lorenzo et le Magnifico. Alors en termes d'épaisseur, les deux boîtes sont identiques. En termes de largeur aussi, mais en ce qui a trait à la longueur, c'est là qu'on perd un peu d'espace. En fait, c'est pas quoi que ce soit de négatif, c'est tout simplement pour le préciser. La boîte est beaucoup plus petite que ce à quoi je m'attendais. Par contre, je suis convaincu qu'elle est bien remplie. Autre information que je peux vous donner sur Root, c'est qu'il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée approximative, selon la boîte, de 60 à 90 minutes. Il s'agit d'un jeu hautement asymétrique. Alors, nous avons 4 peuples dans cette boîte et chaque peuple va se jouer d'une façon différente. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme 4 jeux mis ensemble. Chaque peuple va avoir son mini-jeu qui va être une façon de jouer, qui va emprunter des mécanismes différents et chacun a vraiment des règles qui lui sont propres. Alors, les airy, juste ici, les oiseaux, ne se jouent pas du tout de la même façon que les chats. Alors, ça, c'est bien intéressant. Et c'est un jeu d'affrontement, un jeu un war game, entre guillemets, si vous me le permettez. Alors, ça, c'est un autre détail dont je voulais vous parler. Il existe aussi une extension à ce jeu de base qui était disponible via la campagne Kickstarter. Extension que je n'ai pas aujourd'hui pour vous présenter, mais je pourrais vous donner quelques détails supplémentaires tout à l'heure. Alors, dans le jeu de base, ce qu'on va retrouver, c'est les 4 peuples qui sont juste ici. Alors, moi, j'aime beaucoup le look de cette boîte et le look qu'on va retrouver également sur le jeu. Nous avons les Woodland Alliance, je veux dire, alors les rongeurs de la forêt, les Airy Dynasty, je crois, alors le peuple ailé, Marquise de Cat, alors les chats, et le vagabond qui va errer dans la forêt. Voyons voir maintenant ce que renferme cette jolie boîte qui est bien serrée. Alors, première chose qu'on y retrouve, il s'agit de Law of Root, alors les lois de Root, probablement un livre de règles. Alors, on a un petit paragraphe ici qui nous indique que le jeu contient 2 livrets de règles. Alors, celui-ci est plutôt à terme de référence. Alors, on remarque à premier coup d'œil que oui, en effet, c'est très lourd. C'est tout simplement un livret de règles auquel on peut se référer en cours de partie s'il y a un point en particulier, une circonstance bien précise qu'on voudrait vérifier au sujet d'un peuple ou d'une étape de jeu. Alors, on voit que ça n'a pas l'air très amusant à lire, mais c'est simplement à titre
de référence en cours de partie. On voit ici certains mots-clés qu'on pourrait avoir besoin. Un peu plus creux dans la boîte, on retrouve Learning to Play. Alors, le livret qui va nous apprendre à jouer, alors que celui-ci était simplement un aide de jeu. Ici, nous avons le livret qui nous apprendra à jouer. Et celui-ci, on le remarque, est beaucoup plus attrayant, beaucoup plus imagé. Petit format aussi, mais bien espacé. Là, c'est pas trop lourd. J'ai l'impression que les règles ont l'air assez claires. Du moins, j'aime beaucoup quand on a des exemples à côté, comme ceci, qu'on a pris la peine de bien diviser le texte, tout ça. Et bon, vous remarquez qu'on est déjà ici dans les restrictions et les compétences bien particulières de chacun des peuples. Alors, on a ici les Airy, les Rongeurs, le Vagabond. Et comme je le disais, c'est vraiment quatre jeux en un. Et ici, super. Alors, ici, on a le petit glossaire avec les différentes pièces qu'on va retrouver. Alors, j'ai bien hâte de voir si c'est si clair que ça. Bien intéressant qu'on ait inclus ces deux livrets à l'intérieur. Nous avons ici Learn to Play Walkthrough. Alors, c'est un aide de jeu qui va peut-être nous aider, nous accompagner lors de nos premières parties, tout simplement pour nous rappeler comment chaque peuple fonctionne, quelles sont les étapes à ne pas oublier au tour 1 et à l'endroit au tour 2. Alors, les deux premiers tours ici, nous avons un aide de jeu qui, comme je le disais, nous sera utile vraiment pour apprendre à jouer, pour s'assurer qu'on a bien tous les éléments nécessaires. Alors ça, c'est pas obligatoire dans vos premières parties et les suivantes, c'est simplement pour donner un coup de pouce. J'ai bien hâte de voir si ce sera nécessaire pour moi, je compte bien l'utiliser, mais j'ai hâte de voir s'il est bien exact. Un peu plus creux dans notre boîte, nous avons notre plateau de jeu qui semble bien bon. Alors, je disais un peu plus tôt que j'aimais pas enlever ces plastiques autour des boîtes. Au plateau de jeu qui, ma foi, est assez difficile à retirer. Bon, alors on remarque que la grosseur de la boîte n'a pas beaucoup d'espace là, de lousse pour tout ça. Alors, je donne un petit coup de lame juste ici en essayant de garder le tout intact. C'est toujours ma grande peur. Non que ce soit catastrophique de faire une petite marque sur un bout de carton, mais on aime toujours garder nos jeux en bon état. Alors, j'enlève tout ça. On met ça de côté et on va commencer par regarder ce plateau de jeu qui, ma foi, a l'air magnifique. Alors, je vous déplie ceci à l'instant. Je suis tout excité. Alors, je vais essayer de vous donner un bon aperçu du plateau. Je vais peut-être déplacer quelques éléments sur ma table, faire un petit zoom extérieur. Alors, on voit ici, on a un bon aperçu de la grosseur du plateau. C'est assez standard, je dirais. Et on remarque, moi, j'aime beaucoup le look de celui-ci, là, même s'il peut paraître un peu vide au final. On a les différentes zones juste ici. Nous avons les routes entre ceux-ci. Nous avons les peuples qui vont... en fait, il y a certains éléments qui vont aller juste ici. Je pense que ça, c'est peut-être les emplacements de départ de... Ah non, c'est vrai, c'est les zones qui appartiennent au peuple volant, les zones qui appartiennent ici au lapin, je crois qu'il y a les chats quelque part, c'est peut-être moi qui est à l'envers puis que j'ai la difficulté à les voir, à moins que ça ici plutôt ça soit les rongeurs. Bon, va falloir que je vérifie quelques petits éléments. Ah, ça fait référence je crois à certaines cartes qui pointent vraiment des lieux spécifiques. On a aussi des emplacements pour des constructions que nous allons pouvoir mettre en place, et on remarque une jolie rivière également qui coupe la carte en deux. Alors, ça n'a aucun impact sur le jeu de base, mais dans l'extérieur il y aura une race qui va utiliser cette rivière pour ses déplacements. De l'autre côté, parce que oui, on a décidé de faire ça fancy, nous avons une carte alternative avec un paysage hivernal. Alors, pour ceux qui veulent essayer ce côté, en fait, on voit que les lieux ont l'air beaucoup plus restreints. Je ne sais pas si... En fait... Je sais pas si c'est la mise en place pour deux joueurs. Peut-être habituellement on a une carte qui est un peu
plus restreinte, si on veut. On a l'impression que c'est le cas ici, mais je crois que c'est vraiment une carte alternative. Je crois que peu importe le nombre de joueurs, on peut jouer d'un côté ou de l'autre. Alors, super plateau que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément. Alors, on va replier le tout. On ramène la boîte. Et on avait autre chose avec le plateau. Nous avions les plateaux individuels de chaque peuple. Alors, je vous montre ici. Là, on a une espèce de lumière pas agréable. Ah, comme ça, c'est mieux. Alors, nous avons ici le peuple des chats avec les différentes étapes qu'on va retrouver dans le jeu. Il y a seulement trois phases. Birdsong, Daylight et Evening. Alors, le lever du soleil, la lumière du jour et la tombée de la nuit. Et donc, nous aurons différentes actions, différentes opportunités pendant la partie que nous pourrons effectuer. Nous avons ici les différents bâtiments, alors probablement des petits jetons que nous allons retrouver plus tard, que nous allons pouvoir placer ici. Je crois qu'ici, nous avons les scieries, les forges et les emplacements pour faire du recrutement. Alors, j'essaie de vous montrer sans que ce soit trop difficile avec la lumière. Et de mémoire, une fois qu'on a construit plusieurs bâtiments d'un même type, eh bien, on va commencer à marquer les points de victoire qui sont situés sous ceux-ci. Alors, plus on en a, plus c'est efficace. Mais en plus, ces bâtiments-là vont probablement nous permettre de faire certaines actions bien particulières. Alors, super. Ici, pour les chats, nous avons à l'endo les informations concernant la mise en place et l'histoire. J'essaie de vous montrer ça. L'histoire de ce peuple. Super. Nous avons ici le peuple des rongeurs. Alors, les souris, renards et lapins forment Woodland Alliance. Alors, même chose, nous avons encore les trois étapes de jeu, juste ici, Birdsong, Daylight, Evening, mais on remarque que les actions, les étapes, tout ce qu'on va pouvoir faire est radicalement différent. Enfin, il n'y a rien à voir avec ce que les autres races peuvent faire. On remarque que tout est vraiment différent. Ici, nous allons vouloir développer de la sympathie auprès des autres peuples, je crois. Il y a des cartes que nous allons pouvoir placer juste ici. Même principe de l'autre côté. Nous avons toutes les informations sur la mise en place, sur les éléments de jeu qu'on aura besoin de sortir et sur l'histoire de ce peuple. Nous avons ici la race que je compte bien incarner à ma première partie, le peuple ailé, alors le peuple d'oiseaux tout simplement, qui ici, alors d'ailleurs, je crois que les chats ont un mécanisme de engine builder, on va vouloir construire des trucs le plus possible pour marquer des points, pour pouvoir construire encore plus, marquer des points, tout ça. Alors que pour le peuple ailé, c'est un mécanisme un peu de planification. Alors au début de la partie, on va avoir à choisir un leader, alors un oiseau qui va représenter le chef de notre groupe, qui va nous donner un pouvoir unique. Et pendant la partie, on va placer des cartes ici qui vont être associées à des lieux et ça nous indique tout simplement qu'est-ce qu'on veut faire dans ces lieux-là. On devra résoudre dans cet ordre chacune des actions, recruter, se déplacer, combattre et construire. Et si on ne peut pas effectuer l'une de ces actions qu'on aura planifiées un peu plus tôt dans le tour, eh bien, nous allons être déshonorés, nous allons être la risée de notre peuple et on perdra des points de victoire. Alors, ici, tout a l'air de vraiment reposer sur une bonne planification et vraiment des moments opportunistes. Nous avons finalement notre dernier personnage pour le jeu de base, le vagabond. Alors, contrairement aux autres peuples qui ont plusieurs de leurs représentants sur le plateau, le vagabond est seul et va lui aussi avoir toute une panoplie d'actions qui lui sont propres. Et lui, il va vouloir être en relation avec les différents peuples de la forêt. Et c'est comme ça, en plaçant des petits jetons ici qui représentent les différents peuples, qu'il va pouvoir avancer, il va pouvoir les aider un peu par la bande, en leur faisant de précieux cadeaux. Et lui, ça va l'avantager de développer comme ça des amitiés, des relations positives avec différents peuples. Mais comme je vous dis, je ne suis pas encore un expert du jeu, je n'y ai pas encore joué. Il aura également des objets qu'il va pouvoir avoir dans son sac qui vont probablement changer quelque chose. Alors, même chose de l'autre côté, nous avons les informations complémentaires.
Dans le fond de la boîte, nous avons tout ce qui est jetons dont nous avons parlé. Alors, on reconnaît ici les bâtiments pour le chat. Ici, ce sont les racines ou les branches que les oiseaux utilisent. Je ne me souviens plus exactement pourquoi. Alors, ici, on a toutes sortes de choses. Plusieurs que je n'ai aucune idée à quoi elles servent. J'ai l'impression qu'on a une bonne épaisseur. Alors, oh, ça c'est intéressant. Tantôt, on se demandait sur le plateau ce que représentaient ces petits anneaux, ou demi-cercles plutôt, qui étaient dans différents lieux. Mais c'est une bonne remarque pour le côté du plateau qui était dans le paysage hivernal. Nous n'en avions pas, probablement parce que lors de la mise en place, nous allons pouvoir les placer de façon aléatoire pour avoir une mise en place un peu unique et différente. Différentes à chaque fois. Encore plus creux, nous avons d'autres jetons. On reconnaît ici les objets que le vagabond va pouvoir utiliser. Des petits jetons blancs. Bon, probablement que c'est tout simplement par souci d'impression et ça ne sert absolument à rien, probablement. Alors, une bonne épaisseur quand même, là, c'est pas très 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 épais, c'est pas très 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 rigide, mais je suis bien content quand même de l'épaisseur de celui-ci. Là. C'est plus épais que les tuiles de Castles of Burgundy, alors c'est déjà très positif. Nous avons les dés ici, parce que oui, c'est un jeu d'affrontement, on devra lancer des dés pour résoudre certains combats. Alors, ce que je remarque avec ces dés, c'est qu'ils ont quand même une texture qui est particulière. Ils sont pas très lourds quand même, mais ils sont pas légers. Là. J'ai l'impression qu'ils sont pas cheap. Ils ont quand même des dés de bonne qualité. Si on fait un lancer d'essai, on obtient un 3 et un 2. J'ai aucune idée ce que ça peut vouloir représenter, mais super. On remarque aussi la qualité du thermoformage dans le fond de la boîte qui va nous permettre de tout bien ranger le matériel pour le jeu de base. J'ai l'impression que avec l'extension, ça doit rentrer très serré, puisqu'on ajoute plusieurs petites choses. Probablement que si on enlève le thermoformage, par exemple, j'ai entendu quelques personnes dans mon cercle d'amis qui m'ont confirmé que ça rentre parfaitement si on enlève le thermoformage. Alors, c'est une bonne chose qu'on puisse tout rentrer dans la même boîte si vous avez l'extension. On va continuer avec ici, alors, les représentants de nos peuples. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons plusieurs représentants de chaque peuple, à l'exception du vagabond qui est présentement dans le fin fond du sac. Alors, je vous montre ça d'un peu plus près. Nous avons ici le petit peuple des rongeurs, les petites souris qui ont l'air tellement innocentes, les chats qui ont l'air de vils profiteurs, les oiseaux qui ont l'air vraiment enragés et le vagabond qui a l'air complètement indifférent et comme s'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Alors, on a une excellente épaisseur pour ces pièces de bois. J'aime beaucoup l'attention. Il aurait été possible de seulement les sculpter et les laisser comme ça. Mais c'est une magnifique attention particulière de les avoir imprimés directement pour donner un petit look vraiment très mignon sur chacune des pièces. Alors, super pour ceci. Il nous reste un seul élément à regarder. Il s'agit des cartes. Alors, on regarde ça ensemble et délicatement, avec ma lame, je fais une incision de précision chirurgicale, mes amis. Non, la précision chirurgicale n'y est pas du tout. On recommence, voilà. Alors, j'aurais pu être docteur, moi, chirurgien, à force d'ouvrir des paquets de cartes comme ça avec une délicatesse incroyable. Alors, nous avons plusieurs cartes là-dedans. Premièrement, on peut regarder le rando. Alors, on remarque que nous avons certainement des cartes qui vont être réservées pour les différents peuples qu'on va pouvoir retrouver. Alors, on voit ici que ça s'adresse aux chats, aux rongeurs, aux oiseaux, aux vagabonds. Et on continue comme ça. Alors, si je jette un petit coup d'œil en même temps que vous, on nous donne tout simplement des lignes directrices pour jouer chacun des peuples. Alors ça peut être très utile au début de la partie quand on ne sait pas trop comment s'enligner, qu'est-ce qu'on devrait faire pour marquer des points sur quoi chacune de ces races est axée. Alors ça peut donner de bonnes informations. Nous avons ici un exemple de la mise en place de chaque race, de chaque peuple. J'essaie de vous montrer ça un peu plus près. J'ai essayé de mettre un éclairage fort pour que vous voyez bien sur la table, mais
pour ce qui est des cartes puis du plateau, ça fait un reflet déplaisant. Alors, une petite idée de ce à quoi les plateaux des joueurs vont ressembler une fois montés. Nous avons ici quelques cartes supplémentaires. C'est une surprise pour moi aussi. Alors ça, c'est des cartes probablement pour notre ami le vagabond. Alors des cartes qu'il va pouvoir utiliser probablement pour résoudre différentes actions. On remarque que ce sont des quêtes qu'il va pouvoir remplir. Et on remarque également les différentes zones du plateau dont on parlait un peu plus tôt. D'autres cartes juste ici. Alors en fait, on voit à l'illustration que nous avons qu'ils sont probablement réservés aussi à un peuple en particulier. Alors ça, c'est tout simplement les différents chefs que le vagabond. Est-ce qu'il va être dans cette partie-ci un voleur? Est-ce qu'il sera un penseur, alors quelqu'un qui agit de façon méthodique, ou un ranger, une espèce de comment je décrirais ça, un ranger, c'est pas un mercenaire, mais c'est quelqu'un qui agit de façon solitaire, fait vraiment les choses à sa façon, qui souvent a un arc ou une petite dague pour se défendre. Alors au début de la partie, on va pouvoir choisir un chef, et même chose également, comme on disait un peu plus tôt, pour les... Oh, je les ai, ouais, juste ici. Le peuple ailé, alors on a des chefs, par exemple ici, on a le hibou qui va nous donner un pouvoir particulier, le commander. Nous avons le despote, l'espèce de vautour ou de condor. Nous avons ici le builder, alors celui-ci, c'est une espèce de, comment on appelle ça, j'ai juste un marteau piqueur en tête, c'est pas ça du tout. C'est comme Woody Woodpecker, c'est un... écrivez ça dans les commentaires, là, j'ai le mot sur le bout de la langue. L'arbre, ouf, j'ai de la misère aujourd'hui. L'oiseau qui donne des coups de bec sur un tronc d'arbre, comment ça s'appelle? J'ai un blanc total, alors lui va être bon pour construire. Et finalement, nous avons l'aigle charismatique. Alors selon le leader qu'on va choisir, ça nous donnera un pouvoir particulier en début de partie. Et... au fin fond de ce gros paquet, nous avons toutes les autres cartes que nous allons pouvoir retrouver avec différentes actions. On remarque qu'il y a quand même du texte sur les plateaux, oui, individuels, sur les cartes qu'on vient de voir, sur chacune des cartes actions qu'on peut avoir. Un peu de texte sur chacune de celles-ci. J'essaie de vous montrer un peu un aperçu. On a quelques icônes qui font référence aux points de victoire et aux objets qu'on peut construire, mais sinon il y a du texte. Alors c'est à prendre en considération. Pour l'instant, le jeu ne se fait qu'en anglais, mais bonne nouvelle par contre, en primeur sur vidéo. Je sais que la nouvelle a déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Ouf, j'ai vraiment la difficulté à parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais Root sera donc édité en version française par Matago. Donc on peut s'attendre à une sortie probablement en 2019 de ce jeu qui a l'air assez prometteur. Une fois que on rentre tout ça à l'intérieur, vous voyez que bon, on a les jetons qui sont pas dépunchés quand même, mais une fois que ce sera fait, ça va entrer quand même à perfection. Alors, comme je le disais, Root qui est présentement seulement disponible en anglais, mais qui le sera en français probablement l'année prochaine, en 2019. Alors, on peut surveiller ça sur la page Facebook de Matago. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné le goût d'en apprendre davantage sur Root. Je sais qu'on devrait sortir prochainement sur la chaîne une vidéo, une critique pour vous parler de nos expériences de jeu, comment on peut y jouer également, quelles sont exactement les différences entre les peuples. Alors, surveillez ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Nous suivre sur Facebook, sur Instagram, l'école du jeu. C'est comme ça que vous allez nous retrouver et que vous allez toujours rester à l'affût des nouvelles vidéos et des nouvelles informations qu'on veut vous donner. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Laissez-moi vos commentaires, corrigez mes erreurs également dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.